Généralement, quand on est à l'école, on voit des cours et trucs, on voit de la théorie, mais là, véritablement, on est dans du concret. Il fallait véritablement savoir ce que les gens avaient besoin. Par exemple, on est allé sur le terrain, on a posé des questions pour réaliser notre étude de marché, voir la réaction même du client sur le terrain. Je pense véritablement que c'est très instructif sur un plan pratique. J'en ai vraiment marre de manger des chips à longueur de journée. Tu sais ce qui serait bien? Ce serait de manger local. Quand on a commencé le Yep, c'était difficile. Finalement, on a eu un colloque sur l'entrepreneuriat avec Condorcet Tournai. Et petit à petit, je me suis dit que c'était pas mal. Et finalement, comme on a développé notre produit, il y a cette envie qui est apparue. Et pourquoi pas le faire? Bonjour, je m'appelle Cassandra, j'ai 26 ans et je suis une étudiante entrepreneuse. Alors, être étudiant entrepreneur à la Haute École Condorcet, ça offre une série d'avantages. Moi, dans mon cas, j'ai créé une ASBL de lutte contre le harcèlement scolaire qui s'appelle Dans ma ruche et j'ai pu tout simplement la développer, la créer et avoir même un premier contrat avec une école avant même d'être diplômée. En haute école, qu'y a-t-il de plus merveilleux que d'aider un jeune à croître, à se développer, à créer son entreprise? Pour l'entrepreneuriat chez Condorcet, ce n'est pas du pipeau. En tant que référent entrepreneurial, je travaille avec une équipe qui est composée d'un certain nombre de coachs, mais aussi des bases de données, mais aussi des soutiens pédagogiques. Et tout ça, ça nous permet d'avoir une certaine efficacité. Et si vous voulez participer à l'aventure, rejoignez notre équipe de coachs. On vous attend.